Moi, je pense que quoi qu'il arrive dans la vie, il faut toujours la prendre avec douceur, avec optimisme, avec poésie. Mais je suis pas du tout d'accord avec toi. Ah, si c'est pour nous servir à chaque fois le même discours de naïveté permanente, tu tombes dans le populisme démagogique. On ne rigole pas avec ça, on ne rigole avec rien d'ailleurs. La vie, c'est quelque chose de sérieux. Ben moi, je pense que justement que la vie, c'est pas quelque chose de sérieux. Je pense que en fait, on est tous dans un rêve, le rêve qu'on se crée soi-même, avec ses envies, ses peurs, ses croyances limitantes. Et ben la vie, c'est un jeu. Alors autant jouer avec grâce, non? Va pas sur ce terrain-là. Attention, hein, on ne doit jamais laisser parler ses émotions. Seul le mental et l'intelligence comptent. Et moi qui suis très intelligent, je vais te dire quelque chose. Le monde extérieur est un danger. Les gens veulent toujours faire du mal, t'agresser, te blesser. Moi, je crois que les gens sont simplement malheureux, en fait. Malheureux de ne pas être écoutés, malheureux de ne pas être entendus. Ils ont juste besoin, en fait, de poésie. Arrête de monopoliser la parole! C'est bon, arrête, t'emmerdes tout le monde! Oh, mais quel est le sujet du débat? Là, tu m'as perdu. Ça fait 10 minutes que j'écoute et j'y comprends rien. Je peux pas te laisser dire ça. Tu devrais lire. Tu devrais vraiment lire. Christelle, le poids des mots. Il faut savoir peser tes mots. La poésie, ça n'existe que dans les livres. Tu le crois vraiment? Tu crois vraiment tout ce que tu dis? Pardonnez-moi mon père, parce que j'ai péché. J'ai péché parce que je suis trop optimiste. J'ai péché parce que j'aime choisir plutôt l'amour, la douceur, la poésie. Amen. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission spéciale Faut-il balancer ton optimisme? Que je dédie à mon amie Laure et aussi à toi qui regardes.